Donc un socle de référence qui est la plateforme de communication, le plan de communication pour toucher ses cibles, et comment est-ce qu'on embarque les équipes IT? Comment est-ce qu'on mène ce changement culturel? Alors ça, c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est vrai que quand on parle de marketing de l'IT, pour un IT, le marketing, c'est un peu le discours pipeau des éditeurs. Donc on commence déjà avec un certain handicap sur ce sujet. Donc pour arriver à les convaincre, en fait, c'est déjà, on peut aborder le sujet sous l'angle de la fierté retrouvée pour l'IT, de se dire vous êtes au milieu de la stratégie business, vous êtes au cœur de la stratégie business. Donc ça déjà, le fait d'avoir, c'était d'affirmer une certaine ambition, ça regonfle, ça redonne de la fierté. Il y a aussi le fait d'aider dans la communication les IT avec des éléments de langage, des outils pratiques pour qu'ils puissent plus facilement prendre la parole et s'exposer, ce qui n'est pas forcément naturel chez tout le monde. Et puis, donc tout ça va les aider à s'exprimer. Et puis, il y a aussi les mettre en confiance dans la relation avec les business, avec les autres. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'annoncer un décalage sur un projet ou quand on a une situation difficile, savoir dire non aussi. C'est des choses qui ne sont pas très aisées. Et il y a une énorme demande dans la filière, justement, en formation, en coaching, sur à la fois la communication et puis la relation, de la collaboration qu'on peut avoir avec les business. Comment les aider à se positionner en accompagnement des business plutôt que d'être en retrait. Donc, ce changement de posture, il y a une grosse appétence de la filière de tous les informaticiens pour qu'on les aide à faire ça. Donc, ça, c'est un sujet qui me permet aussi qui me permet de déployer plus facilement après les éléments de langage qu'on veut déployer dans notre plan de com. Du coup, c'est un travail de longue haleine, mais qui est également un travail du quotidien pour devenir finalement le business partner. Exactement, c'est bien l'enjeu. On voit bien qu'avec le cloud et la banalisation de tout ce qui est infrastructure, l'avenir va être beaucoup dans le business partner, dans le parcours utilisateur. Et donc, c'est une transition naturelle de l'IT de plus en plus en partenariat et en business partner du métier. Donc, ça contribue effectivement à cette transition.